Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau livre de coloriage que j'ai reçu aujourd'hui. Alors c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai d'habitude. Il y a des personnages, mais vous allez voir que c'est tout à fait un autre style. Voilà, je n'en vois pas beaucoup dans les vidéos. Surtout de ce... Là, c'est un homme qui les dessine. Alors, son nom, que je me rappelle, c'est Carlon Douglas, voilà, l'illustrateur. Donc, il a un monde un peu féerique, un peu fou des fois. Il faut... On aime... ou on n'aime pas. Voilà. Il y a des choses, il y a certains livres qu'on va adorer, qu'on va aimer, il y en a qu'on va peut-être moins aimer. C'est mon cas, hein. Mais là, j'ai vu celui-là et j'ai dit waouh, j'aime. Et comme je n'avais jamais fait, alors c'est du Grayscale. Voilà, comme les autres, vous savez, le livre où il y a déjà les ombrages, mais vous allez voir, c'est un Grayscale assez spécial. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Et alors, dans celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune page en double. Donc, il y a en tout 50 coloriages à faire dans ce livre. Donc, ça, c'est super. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir ça en vous le montrant. À tout de suite. Alors, voilà le livre. Déjà, vous voyez, la couverture est super belle. Bon, il y a la tête à Fifi qui va passer. Allez, vas-y, passe, merci. Alors, déjà, la couverture est super belle, vous voyez. Elle est toute douce en plus. Vous voyez, vraiment très très belle. Donc le livre s'appelle Fairyland, donc Grayscale Coloring Book. C'est fait par les éditions Black River Art. Voilà. Et donc je deviens un poisson rouge de plus en plus, hein. L'illustrateur, voilà, s'appelle, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Carlon Douglas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très vieux, hein. Je ne saurais pas vous dire son âge, j'étais voir quand même sa page biographique, mais il n'est pas très très vieux. Alors je vais vous montrer ça. Donc, j'aime bien déjà l'écriture, hein, un peu gothique. Alors, c'est un livre qui est sorti le 7 septembre 2017. Donc, c'est pas tout à fait de tout de suite. Mais, donc, il y a l'adresse de son site internet. Il a une page Instagram, il est sur Facebook également. Et voilà, donc, les pages de coloriage. Donc, c'est ce que je vous disais. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc, c'est du Grayscale, mais autrement que celui-là, comme je vous avais montré déjà, qu'on est en train de faire, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ici, on dirait de la photographie, presque. Voilà. Là, c'est l'Elegant Beauty, hein, que je suis en train de faire en ce moment. Hop,
On va essayer d'en mettre sans l'abîmer. Voilà. Donc, on dirait presque une photographie. Et du coup, j'ai adoré. Donc, on va peut-être pas colorier toute la page. Hein. On va colorier certains endroits, peut-être les fleurs, peut-être que les yeux, la bouche, le visage, peut-être en entier. Voilà. On va pas s'occuper du fond. Là, on va travailler sur certaines parties du dessin. On va voir. Mais j'ai adoré. J'ai hâte de pouvoir travailler sur ce genre de coloriage. Voilà. Vous voyez comme ici, les chevaux et le cheval ailé. Bon, il y a la lune. Bon, on va peut-être pouvoir faire la lune. Le cheval, bien sûr. Peut-être un peu les nuages. On va travailler certaines parties du coloriage là seulement. Alors ici, je vais essayer de voir si vous le voyez bien. Oui, comme ça, vous le voyez bien, vous voyez. Celle-ci est vraiment magnifique aussi. Pareil, on va travailler sur le personnage. Les champignons, peut-être. Peut-être les feuilles ici. On va pas faire l'arbre, peut-être. Voilà. On va vraiment travailler touche par touche. On va pas colorier tout le dessin. Voilà. Ici, une petite fée. Pareil. Hein. J'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de pouvoir commencer à travailler sur ce style de coloriage. Vous voyez. Pareil, la couronne, les ailes. Voilà, ici. Donc, comme elle est dans une lanterne, donc on va travailler ici sur la lanterne pour la lumière. Voilà. Ici, un visage. Très joli en plus, voyez. Donc là, on va faire le visage, oui, et on va peut-être après voir ce qu'on va. On fera pas le fond, bien sûr. Non, vraiment très très beau. Alors j'ai eu du bol. Alors j'ai eu deux livraisons aujourd'hui d'Amazon. Donc la première livraison, c'était pour mon mari, il a frappé à ma porte. Alors c'était une livraison pour demain. Et une demi-heure après, je vais voir pour mon courrier dans ma boîte aux lettres. J'y tiens, mon livre donc qui venait d'Amazon était dans ma boîte aux lettres. Alors je ne sais pas si c'est le même livreur qui avait mis ça dans ma boîte aux lettres ou si c'est un autre livreur d'Amazon qui est passé en même temps. Mais alors, c'était plié dans la boîte aux lettres. J'ai eu peur que le livre soit abîmé. Bon, il y a un petit... Ici, à chaque page, il y a un petit croquage là. Mais bon, ça va. Sur le dessin, ça ne se voit pas. Mais bon, il avait forcé pour le mettre dans la boîte aux lettres. Alors, j'avais un peu les boules quand même. Regardez ici. C'est vraiment magnifique aussi. Si, la licorne, et que là il y a la corne avec une petite fée avec des lucioles. Ici, j'aime beaucoup, ça rappelle un peu les dessins de comment que je fais également de oh,
Ah bah mince, j'ai oublié le nom, ça y est. D'Emmanuel Colin, vous voyez? Avec les branches dans les cheveux, mais avec des personnages plus âgés, bien sûr. Ici, une jolie fée. Encore un cheval. Il y a beaucoup de cheval, hein. Enfin, de cheval ou de licorne. Celui-là est magnifique aussi. Voilà, ici, il va falloir travailler sur les lumières. Voilà, ici, là et là. Voilà. Ce sera les trois endroits où il faudra travailler la couleur. Voilà, encore une licorne. Il y en a pas mal. Presque toutes les 2-3 pages, il y en a une. Celui-là est magnifique. Celui-là est vraiment magnifique. J'adore. Celui-là, pareil. Hein. Donc on va travailler aussi sur le personnage un peu et on va peut-être travailler un petit peu sur la lumière. Pardon. Voilà, toujours le personnage ici et là. Les sortes de champignons que l'on va travailler. On travaillera peut-être un peu les bulles. Vous voyez, un cheval avec des ailes. Là encore un joli visage. Encore un cheval avec des ailes. Là, pareil. Là, encore une jolie fée. Donc, il y aura les petites lucioles, vous voyez. Donc, vous voyez, en plus, il y a quand même beaucoup de dessins dedans. Une jolie fée. Celle-ci est jolie aussi. Donc, malgré que c'est un homme, ce sont des dessins vraiment très féminins. Voilà, toujours la petite fée avec ses ailes. Une licorne. Alors ici, on a un fond entièrement noir. Donc là, on ne va travailler que sur le personnage. Encore un joli portrait. Ici, on va pouvoir travailler sur les petites lumières, là, l'oiseau. Ici, il y en a encore un. Le personnage, bien sûr.
les licornes. Il y a beaucoup de licornes. Ici, encore une jolie fée. Encore un cheval avec des ailes. Et voilà, celui-là, c'est celui de la couverture. Vous voyez ? Donc là, on va travailler pareil sur le champignon, sur le personnage. Ici, toujours pareil. Un très joli aussi. À faire avec des couleurs bien des couleurs pastel. Les belles ailes du papillon pour cette fée. Toujours une licorne. Il y a beaucoup de licornes. Hein. Vous voyez, ça fait un peu photo. Hein. Voilà. Je ne sais pas encore avec lesquels de crayons je vais les faire. Je vais voir. Japonaise. Très joli aussi celui-là. Ça fait un peu la lune, le croissant de lune. Et voilà. Et là, c'est les autres, une partie des autres livres qu'il a. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce nouveau style de coloriage. Donc je vais vous mettre en barre d'infos, bien sûr, le lien pour retrouver ce livre. Là, je commencerai peut-être un coloriage dans la semaine. Je vais voir, je ne sais pas lequel encore. pardon. Je verrai. Et je regardais sur le site ce que je pouvais vous dire d'autre. Parce qu'il y a d'autres livres aussi, bon, mais là je verrai plus tard. Ce qui me, il faut que je vois le style de dessin aussi. Hein. Là, il y en a un autre qui a l'air de me plaire, mais bon, on verra plus tard. Bon, ce livre en plus sont pas très très chers. Hein. Ils sont dans 6,40€, 6,38€. Donc ils sont vraiment pas chers en plus, vous voyez. Bon, pour autant de coloriage et un livre de super bonne qualité.
Bon, niveau niveau papier, bon, au feutre, je sais pas, mais je ne pense pas que ce soit vraiment des coloriages qui soient bons à faire au feutre. De toute façon, je vais les faire au crayon. À l'aquarelle, je vois pas, non. À l'aquarelle, je ne pense pas. Je verrai au fur et à mesure. Mais je verrai aussi, bon, le papier a l'air épais. Je verrai au fur et à mesure, ouais. Et, ah, ici, vous voyez, Facebook belongs to, donc je peux mettre mon nom, si je veux. Voilà. Mettre son nom pour dire que c'est mon livre, voilà. Mais je suis vraiment très contente de l'avoir. Et la couverture est vraiment, elle est toute douce. Je sais pas c'est fait en quoi, mais elle est vraiment toute douce et toute mignonne. Voilà, il y a Fifi qui vient sur, qui passe devant moi pour me faire un bisou. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de coloriage, si vous vous aimez, si vous n'aimez pas, hein. Si vous avez déjà fait des coloriages de Carlon Douglas, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, je vous remets en barre d'infos le lien du groupe de coloriage que j'ai ouvert sur Facebook, venez me rejoindre. Je vous y attends avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.